Alors, moi, je veux vous faire part d'un projet réalisé en milieu scolaire avec des élèves de lycée et élèves de BTS sur le tri des déchets de la cantine et du parc du lycée pour la fabrication d'un compost. Donc, il a fallu organiser et présenter aux élèves usagers de la cantine le tri des substances fermentées cibles et ensuite arriver à motiver une équipe d'une dizaine d'élèves pour vider les poubelles et monter les tas de compost, tout ça le mercredi après-midi en dehors du temps scolaire. Alors nous avons eu une excellente surprise, c'est d'avoir une douzaine de volontaires, ce qui au départ était presque impensable. Et ceci a duré 2 années. Donc au bout des 2 années, il y a eu un essoufflement. Mais la teneur principale de mon témoignage, c'est de dire que on parlait de rêve et de réalité. Mais si nos élèves comprennent les motivations à essayer de mieux gérer nos ressources et à valoriser même ce qui est considéré comme des déchets, donc s'il y a une motivation qui est vraiment la base, le moteur du projet, ben on peut arriver à faire des choses qui, a priori, semblaient inaccessibles, impensables. Oui, ça va. Bon.